Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous venons là dans le cadre de travail CNP toujours à faire pour que nous rendre circulation capable beaucoup plus fluide et quel que soit ça nous joigne sous chaussée n'a pas enlevé que le Cefatra, quel que soit type de déchet depuis CN croisant avec le sous chaussée n'a pas enlevé parce que ça fait un bon bout de temps depuis que nous avons été nos missions pour que nous éliminer Fatra spécialement dans la zone métropolitaine parce que population en li besoin espace pour que li capable circuler. Le moment n'a pas là, il y a un plus gros problème pays, c'est problème Fatra. Après problème et sécurité. Et c'est ça que fait l'État à travers CNE, à travers travaux publics, nous décider pour que nous attaquer Fatra, nous décider pour que nous nettoyer Port-au-Prince, nettoyer zone métropolitaine. Non? C'est ça que fait moi-même comme directeur général, moi dit, moi pas accepté pour que la population hein, passe fin année hein, avec gros pile Fatra pour la garder comme, comme t'as dit ça, comme décoration. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est ça que fait nous prendre décision pour nous attaquer Fatra, quel que soit le côté lié dans la zone métropolitaine. Si nous regardons, nous avons plusieurs lots là, nous avons plusieurs camions et nous avons d'autres matériels qu'à privé. Nous allons démarrer à partir de 1er avenue, nous avons fait les bolos, nous avons arrivé Matissan. Là nous arrivons Matissan, si nous avons gardé, nous avons gagné de l'eau okay, à la surface. En général, là nous avons de l'eau montée sous chaussée, hein, c'est parce que égouillot bouché, okay, qui permet de l'eau lui-même, il était à la surface. Travaux publics gagnent pour voyer égouttier qui pour permettre de l'eau à circuler et après nous mettre remblai et nous reprofiler la route là. Nous avons nettoyé Matissan, nous avons fait bicentenaire, nous avons descendu la saline jusqu'à ce que nous arrivions Cité Soleil. Et nous avons dit tout quartier populaire. Côté qui est Fatra dans le quartier populaire, CNE a arrivé sous. Et quel que soit côté Fatra, CNE a nettoyé, CNE a ramassé. Voilà pourquoi je dis à la, nous avons ensemble de matériel là avec tout technicien CNEO qui présent pour que nous baillons la population en service parce que la population est véritablement fatiguée avec la question Fatra. Et nous avons tout profité de lancer un message, un appel au réveil de la responsabilité citoyenne. Parce que moi-même comme directeur général CNE, des fois moi étonné. Moi étonné pour efforcer un effet pour nous ramasser Fatra dans le pays. Des fois, Gekoto a peine ramasser un gros pile Fatra. Demain matin, on passe où est Fatra, retourner pirate. C'est ça que fait nous besoin collaboration. Nous besoin participation citoyenne. Nous besoin pour citoyens impliqués. Parce que le pays n'est pas qu'à propre. Si c'est CNE, SNGRS, travaux publics seulement qui ramasser Fatra. Foc. Population, hein, faut que citoyens soient impliqués, faut que citoyens soient participés. Parce que là où on a un Fatra dans le monde, ou sorti dans une zone avec un bourreau plein Fatra qui compte la gueule ou la gueule dans la rue. Et moi-même, depuis un petit monde, je suis toujours tendu à dire la rue, c'est salon peuple. Et mais si la rue, c'est salon peuple, mes amis, on nous protège, on nous aide CNE nettoyer. On nous aide notre institution nettoyer pour que nous capables de gagner la rue, pour que nous capables de gagner un pays, mes amis qui propre. Parce que là nous voyageons, là dans la République Dominicaine, nous avons un pays à belge, un pays à propre. Mais citoyens en République Dominicaine, ils ont impliqué, ils ont participé tout dans le pays au belge, pays au propre. Pour que ça nous même en Haïti, le CNE finit ramasser Fatra, aujourd'hui, dans demain, puis le Fatra est à monter. C'est parce que nous pas impliqués, nous, c'est parce que nous pas participé. Mais je dis, en CNE vient dire nous. Citoyens, à nous participer pour payer un cas propre, pour que nous soyons capables de passer une fin d'année avec gros pile Fatra zéro
en dans ville là. Jodi an c'est NE porté pour marché a yon vingtaine bourrette nous porter plusieurs dizaines pelles, râteaux, balais, etc. pour que responsable marché yo capable gagner matériel léger ça qui va permettre yo rassembler fadra et rendre travail CNEA beaucoup plus facile parce que nous même nous c'est de gros matériel le pile fadra plus gros nous plus à l'aise pour nous lever. Voilà pourquoi nous porter matériel léger ça pour yo capable pour faciliter et marché capable rassembler et gagnons remarque que nous fait nous est que marché yo c'est de véritables producteurs de fatra. C'est ça que fait nous bayon importance à marché yo et c'est bay marché yo nous porter matériel léger parce que à chaque marché nous passer nous est pile fatra et puis nous est marchand yo qui mange beaucoup de pile fatra. Mes amis, ça n'est pas normal. Ça, nous voulons combattre. Nous voulons combattre dans l'État. Et l'État, à travers CNE, à travers SNGRS, à travers les travaux publics, nous décidons de combattre ça. Ce n'est pas normal pour nous manger beaucoup de pile fatra. C'est ça que fait. Marché, nous allons au pelle, nous allons au bourrette, puis rassembler fatra. Et je prends le soin pour ajouter. Travail CNE a fait, dans le programme CNE, là, il n'y a pas rien pour avec le programme assainissement et en fin d'année. C'est CNE qui travaille. Le peuple a payé nous pour ça, nous travaillons pour le peuple. Nous avons tout ego là qui a un problème en pile. Sorti de bon, Caridad, descend la première avenue, nous avons un comme si qui a un problème. À chaque fois, CNE fin pour te la rire avec l'odeur, Fatra redescend parce que un problème tout ego, canal. Le canal n'a pas de boucher, il vient de engloutir comme si il vient de dégénérer la rue. Nous avons souhaité pour toute l'autre communauté, comme c'est tout l'autre monde qui concerne à tout égo, pour faire une continuité, pour faire un ensemble, pour faire même suivre ça pour aider nous, c'est assez. Pour garantir nous capables de bailler, les gens qui sont responsables, ce n'est pas les gens comme ceux qui désordent, et pas les gens qui ont trop de négligence là, comme si nous croyons qu'ils ont géré le bien. Ça qui attendait nous, et nous fierté, attendait nous bien comprendre. Le problème, non, c'est non nous lier. Pas seulement dans ça qu'a fait là dans nous même nous ces petits machins qui dans la rue qu'a fait chercher la vie nous maman pour petite papa pour petite et bien moi même senti m'a mal vivre parce que moi ouais problème dans là li vraiment en difficulté qui problème lié ça lié aidez nous pour chez là qui problème lié. Problème Matissan vraiment pas nos problèmes. Vraiment, moi-même, regardez Matissan là, l'eau là dans Matissan là, de l'eau ça là. En 5e avenue et de l'eau sac dans Matissan là. Rive 5e avenue, rive Botipos là là. Mon cher de l'eau ça vraiment pas de problème. M'a demandé aux autorités, est-ce qu'on va passer dans de l'eau ça tout. Nous-mêmes qui pral voter autorité, qui t'apprend choisi voter autorité, est-ce qu'on va avoir de l'eau sac dans Matissan? Est-ce que l'autorité qui a passé Moutéa, est-ce que Matissan n'a pas fait pour eux? Est-ce que vous ne pouvez pas regarder? Est-ce que vous ne pouvez pas être à nous dans le bloc qui a traversé? Vous ne pouvez pas être comme ça, ou pas qu'on est tombé, ou pas machine tombé dans toi. Mes amis, portez-nous là, mes amis. Aidez-nous pour déchirer là, s'il vous plaît. Nous demandons aux autorités aussi, vous avez des yeux, si c'est Mounio qui semble à Moun, pour l'être dans nous, dans. Ça gagne pour nous faire, mes amis, s'il vous plaît. Il y a FMB, son nom, la machine, il finit tout ça pour te faire un pour lui. Ça est méchanceté lié. Et méchanceté lié. Jacques Mel, moi, pour aller, ça est coûte machine gérée, milliers. $50, il vient monter $60. Il prend $100, non, mais il finit mettre pour un petit bout de sac pour le toucher pour lui. Il dit un gaz qui monte, il finit. Mais n'importe quoi, il va mettre pour un sachet noir, il va toucher pour lui. Ça est méchanceté lié. Je m'oblige à accepter, je vais me porter au prince. Je vais me dans ça, je vais me venir acheter. J'ai besoin de l'appel au pays parce que moi, je suis malheureuse. Je suis personne seule, moi-même. Je fais mon petit caille, je suis pour tout ça me dégager, tout ça me posséder net. Même rater dans la rue, je vais acheter un petit grand pépé, je vais me rentrer là, je vais besoin de la paix. Mais pour payer à faire la paix pour nous vivre là, laisse la caille nous va besoin. Yo pour tout ça nous te gagne. Mais quoi yo pour yo goûter à pour nous te gagne. Mais pas besoin pour
ça nous si malaise qui enfermé caille qui pas ca entrer la caille qui ne gagne commerce toutes ces marchandises même qui était là caille pour escorte là même monde yo prend toutes ces marchandises yo d'accord pour yo goumer avec monde qui gagne problème avec ces malaise yo pas gagne problème avec yo pour yo bail ces malaise yo côté pour entrer la caille parce que m'baille côté pour me dormir caille monde madame mon a bon mauvais gens et pour demander la paix en pays à la paix pour Matissan m'a gagne côté pour m'aller fait tout le souga lui monde m'a dormi pour jour parti m'a un côté m'ne. Oui mon zone 4e avenue kounia 4e avenue bolos kaimoun oui et kaimoun moi rete m'a gagne l'argent tout ça m'de gagne yo prend maman malade en dehors m'pa ka louel pa gagne position m'pa gagne pa posséder rien même ou qui aime m'pa gagne pour manger. Mais mon qui a tout ça me dégain dans caïla yo pour tout ça toute famille moi te gagner dans zone nous te retenir ta vie yo pour toute bagaille nous net on a nous chaque gars on peut non plateforme association machine à moto taxi d'Haïti yo notre fois encore prend la presse pour porter précision by opinion publique là spécialement tout chauffeur membre nous n'a dit pour l'histoire et pour la vérité. Plan Mota a quelques habitudes, travaille à plusieurs groupes, syndicats, tant que s'il prend pas exemple, FUTRA, APCH, MUT et Latrier. Jodi a, n'a clair pour tout le monde, Plan Mota poko affilié à aucun groupe ni regroupement syndicat dans le pays d'Haïti. Cependant, allié pas veut dire affilié. C'est ça que fait Plan Mota. Dit, il saisit tendez, des commissions qui créent sous affaire subvention ciblée, des groupes pour contre, des trois représentants. Pourtant, secteur moto a pas aucun représentant à la donne. Comme ça, n'a dit à Premier ministre Ariel Henry, à tout ministre finance qui c'est Michel Patrick Boisvert, spécialement qui a habitué travail à Plan Mota. Dans l'ancienne commission pour modernisation transport en commun, Plan Mota comprend tout complot barré chauffeur moto-taxi pour ne pas arriver à intégrer la commission. C'est une façon pour ne pas bénéficier de subventions ciblées. Comme ça, il n'y a pas de gens qui régulent, légalisent et même identifient. Plan Mota a plus que 10 ans depuis la vision, l'autre vision pour taxi moto en Haïti. L'autre vision, je l'ai dit, faut secteur a régulariser, faut organiser et pour arriver identifier. Vous pensez que des nègres, je dis, qui gagnent plus passé 50 ans depuis que vous dites, c'est dirigeant. Vous êtes d'accord pour que finalement, c'est nous-mêmes, chauffeurs moto, qui viennent et paraître à un tel projet. Il y a toujours voulu pour que c'est yo qui c'est à la tête dans toute bagaille après yo c'est yo et bien besoin même les autres arrivés au grand monde mourir bien besoin pas le même voulu c'est mort yo c'est pour diriger toujours c'est là le problème là je dis à fond clair c'est ça que fait nous même dans Plan Mota nous dit ils ont l'autre vision et n'a prêché une l'autre vision pour taxi moto en Haïti ils ont l'autre vision c'est si il y a des monde qui voulait comprendre yo ka représenter nous pendant que nous existait nous yo tomber grandement parce que en dans secteur taxi moto Jean yo voulait comprendre ni son équipe ban égaré et bien c'est pas ça lié fin d'année c'est toujours une tradition pour monde qui parle en province côté nous connaître majorité monde et dans la station qui vont aller partout côté, qui vont aller au Cap Haïtien, Lindé, Pillon, au Cap Saint-Raphaël, Gaumont, au Cap, tout du Nord, et Fort Liberté, Wanamet, et puis Gaumont, Port de Paix, Bassin Blé, Chansol, et puis nous avons des gens qui vont aller Plaisance, Mamelade, Saint-Michel, Lindé, Pilate. Ou abgadé, venez aujourd'hui, nous n'avons pas de monde en foule qui voyage parce que ça fait ça. Nous connaissons à cause de crise gaz, l'État mette en dedans pays, côté de l'État bail en subvention ciblée, côté venez aujourd'hui, elle pas bailé, côté le mettre pour chauffer avec passagers dans notre bataille, mais c'est bien côté mal calculé, chauffeur avec passagers, ils ont entendu.
qui fait des narou qui voyage, mais il y a un pile narou qui t'a rien voyage, qui pas qu'à voyager, parce que raison, l'homme était un gaz qui est $70 et 80 ou bien $69 et en dedans, payant sous tout 10 départements pays d'Haïtien, son gros crise liée parce que ça fait ça et non bon population qui pas qu'à manger, qui pas qu'à boire, si nous n'y pas qu'à l'école. Je dis pour venir en crise gaz en dedans pays, on a trouvé ça grave. Je dis à nous-mêmes en dedans SOS Transport, nous criminels pouvoir Ariel Henry, parce que ça fait ça, je dis, c'est là nous-mêmes nous confectons, les passagers vont en province en foule, je dis, les passagers vont en province en foule, nous ne pouvons pas faire comme. Par rapport à gaz qui monte, chauffeur obligé de monter cousse machine dans tout, mais ce n'est pas chauffeur qui a remis. Ce n'est pas chauffeur qui a remis monter cousse machine, c'est l'État haïtien qui monte cousse machine. Parce que bon bagaille qu'on fait longtemps, les a monté gaz là ou toujours chita avec syndicalisio pour nous discuter sous priant. Là nous finissons discuter sous priant. Qu'on y a gaz là monté, nous tout bas prix, tout secret qui est en dedans pays. Je dis en l'État monté gaz là, il n'y a pas bas prix secret. En pile, Fouen Aksène tombé. Si tout président république là, son excellence Jovenel Moïse. Vendivision, te fait toute année à souffler. Misère peuple a augmenté chaque jour. Même la nati pas en faveur nous. Parce que un grand tremblement de terre frappé dans grand sud là, nous perdit en pile frein accès nous. N'a profité occasion ça pour nous saluer mémoire si là yo gros difé pour te aller dans au cap dans commencement mois décembre là. Ça passé dans au cap là, c'est une preuve que misère peuple haïtien augmente chaque jour, qui fait en pile dans nous obligés à faire toute qualité imprudence pour nous chercher la vie. N'a profité occasion ça pour nous faire un point sur situation pays nous. Côté nous malgré nan jour qui sont passé ont été gonti calmi. Nous ouais ces jours-ci insécurité a redémarré. Machine kidnapping nan vle redémarrer encore. C'est peut-être ça. N'a levé voir nous bien haut encore une fois. Bien haut pour nous rele en mouey. Parce que fok ça suspend. Fok petit pays a ka vive sans qu'elle saute. Fok autorité concernée yo pren responsabilité yo. Pour yo jouer un rôle qui se permette sécurité établie sur tout territoire national. Nous pas capable encore. Nous devons suspendre contre cadavre. Bay peuple a une chance, même si li pa gen moyen pour le fêter vrai. Mais pour yo fini année en paix et puis pour yo commencer l'autre année sans danger. N'a demandé l'état pays nous qui c'est si là nous bay rôle pour mener bac nation. C'était privé qui c'est si là qui l'a pour investir dans pays a. C'était éducation qui c'est si là yo qui là pour porter bon gens réflexion qui pour accoucher solution qui ca résoudre problème n'a confronté yo à tout secteur dans la vie nationale là pour mettre tête yo ensemble pour oublier tout intérêt personnel pour chita sous même table pour nous relancer pays nous pour nous faire une unité cap mettre pays nous sur rail développement. Il est temps pour conscience patriotique nous faire nous accepter travail yon ak lot dans un seul intérêt pour yon seul mission qui se sauver Haïti. Yon Haïti côté état de droit à réalité. Côté femme à garçon à traiter ak équité, égalité. Yon pays côté éducation à accessible pour tout petit pays. On fait à femme cadre toucher fête là et nous décider accompagner quelques parents avec quelques petits monde dans quatre ça tout monde pas passer une bonne journée
côté que yo pral danser, chanter, amuser yo, boire, manger, ensuite aller avec un petit cadeau. Non pas bay petit pas chiche, non pas gien pile, mais nous porter assistance dans mesure que nous capable. Et m'a profité occasion ça pour lancer un coup de message bay concerné yo, surtout parents yo qui abandonné, qui la geti moun yo n'importe qui gens qui pas accompagné yo, qui pas suivre un petit monde qui a grandi. Parents qui démissionnent, prennent responsabilité nous en main. Parce que petit monde, je dis, grand monde demain. C'est petit monde ça aujourd'hui demain qui va retourner à venir pays. Ya. Et moun y a pied demain en dépend de l'éducation que recevoir la caillou, l'église. Yo. Donc parents, prennent petit monde en charge. Gérer l'éducation petit monde pour que demain nous avons Haïti qui est meilleur. Hier, nous avons constaté que nous avons gagné une journée qui a commencé en retard, c'est vrai, mais qui pleinement réussi en raison du fait que nous gagnons tout le juge là, huissier était présent, greffier tout, avec un peu de retard. Et nous, au cours de cette journée d'audience correctionnelle, nous gagnons 5 personnes qui libérés, 4 prévenus de la DAO, ils n'ont pas révoqué à faire ça, et il y a 2 autres qui ils mettaient en continuation. C'est-à-dire, pour une raison pour l'autre, soit pas de citation à témoin, ou bien vu l'heure, on était avancé. Et maintenant, dans les débats particuliers, et que maintenant, ils étaient mettés en continuation pour à la plus prochaine audience. Jeudi a fait deuxième jour de nous, 23 décembre, nous accusés en retard énorme par rapport à tenue ou dire sur l'heure. Retard qui est dû à une négligence ou un manque de responsabilité par rapport à Griffio. Donc m'a demandé autorité de tutelle moi, qui c'est ministre justice la mettre bête au dossier pour prendre mesure appropriée à ça. Et m'a pas lancer une audience pour que Griffier qui est là, qui est présent dans le tribunal là pour pas venir. Donc nous avons un seul Griffier là qui avait mon siège. Côté juge belge Supri a présidé. Donc, je n'ai pas gagné greffier pour l'autre siège parce que justement, il n'est pas venu là. Et m'a pas annoncé tout à prison, directeur d'administration pénitentiaire là, que faut passer instruction formelle à prison pour voir mon bon bonheur. Parce que je te dis que pas de machine, et moi-même, ministre Berto Femme Gado Machine à PM là. Alors, on va faire cadeau de bon machine pour besoin, pas qu'il y a, me remettre en bonne et due forme. Donc, si on n'a pas de machine pour me juger, on a une machine pour me démêler. Donc, pour cette raison, je m'a demandé directeur administration pénitentiaire pour prendre responsabilité pour capable passer instruction à monsieur pour que nous attend. Parce que depuis 9h30, nous étions là 10h, toujours j'étais là, commissaire là, je ne suis pas de plus venir. Donc, je m'a demandé pour être capable de faire diligence. D'hommes détenus à temps et greffier pour venir à présent pour être capable de juger le monde comme ça doit. Ce sont des délits mineurs et captandés, des voies de fait, abus de confiance, escroquerie, et vol simple. Donc nous n'avons pas gagné vol à main, et nous pas gagné crime de sang et des infractions comme ça, c'est infraction qu'il a pour nous mettre en état pour des assises criminelles sans jury. Donc c'est ça, me d'ailleurs un cas emblématique. Donc, cas aussi des cas qui sont simples. Et que maintenant, nous partis pour un mois audience correctionnelle. Moi, estimé avec concours et tout acteur qui est impliqué dans le dossier SAO, dans l'audience, il y a pour présent et rempli tâche normalement pour nous capables de réussir pleinement audience correctionnelle. C'est un gros rêve ministère réalisé aujourd'hui, hein, après décret 11 septembre 1974, qui déjà expliqué. Qui gens pour l'école privée, niveau primaire, secondaire, fonctionner dans le pays. Son lot, gros rendez-vous, après arrêté présidentiel 1er septembre 2014, après mon les 12 mesures, sous nouvelles dispositions que le ministère apprend, sous fonctionnement de l'école privée. Premièrement, résultat ça. C'est pour que le ministère, que la loi baille responsabilité pour lui
protéger droit à l'éducation de qualité pour tout le monde dans le pays, il y a des outils pour que les capables encadrer qui gens toute l'école privée a besoin d'autorisation pour ouvrir l'école, qui gens après ça ministère a bail permis pour fonctionner et qui gens ministère pral bail niveau accréditation qui fait que parents et toute communauté a connaît qui gens que l'école ça yo a respecté toute qualité critère sous qualité critère sous respecter qui j'ai l'école en moyen à respecter curriculum critère sous garantie infrastructure équipement l'école a utilisé critère sous environnement côté l'école là construit bâti critère sous on l'école pas pouvoir un jour et puis après ça il disparaît parce que pas qu'on côté propriétaire aller donc si moun yon dans l'école là l'état pendant le délégué responsabilité à des opérateurs privés qui qualifiés et qui ont motivation qui ont vocation pour aider l'état dans offre scolaire là l'état a une responsabilité tout la société a garanti que moun kap opérer dans l'école yo yo respecter ça que la loi ça que les outils ministères mettent à disposition yo là ça pas remplacer travail inspecteur ça aide inspecteur fait travail yo et toute disposition ça yo yo correspond à deuxième dans 12 mesures qui te dit que à partir de septembre 2014 toute l'école avait démarré supposé que autorisation ministère là jusqu'à ce que arrive à permis pour fonctionner même j'ai avec mesure 1 qui parlait de permis pour enseignants ils correspondent à mesure 8 tout qui bail société à garantie que l'école yo c'est pas n'importe qui monde qui décide dans petit bout de coin dans petit bout de caille les exposer cerveau jeunes apprenants dans le pays. Ça nous capable de dire c'est que document ça yo que direction technique d'AEP qui passait plusieurs années à travailler sur yo et qui fait proposition technique ça à partir expertise que vous mobilisez, à partir en pile consultation que vous faites avec anciens ministres, professionnels, monde qui dans le secteur, monde qui travaille sur ça, vous arrivez à proposer, je vous dis, un document qu'un ministre de l'éducation capable de signer, publier, pour dire tout pays a désormais, mais qui j'en, ça fait le opérateur privé décider ouvrir yon l'école. Et c'est pas ouvrir l'école là seulement qui est important, mais qui ça pour respecter pendant l'école là a fonctionné. Faut l'école là impliquer parents. Faut l'école là impliquer élèves. Faut que élection démocratique qui fait depuis dans l'école là pour représenter et élu capable participer dans gouvernance l'école là depuis dans niveau côté ça fait et c'est ça que par le bail garanti le l'état bail l'école en subvention gen l'autre jet k'ap gade qui jan tout à travers politique nationale accréditation ça n'a bail collectivité territoriale yo rôle que constitution bail déjà pour capable participer ça que les gestion de proximité par un élèves, élus locaux, tout le monde a participé à la gouvernance locale, l'école là. Parce que même si papier ça a signé, un ministre pas qu'à connaître, un directeur général pas qu'à connaître, ça qu'a passé dans l'école là, si parents, qui c'est premier ministre d'éducation dans tout le pays, ses parents, pas connaître ça qu'a passé dans l'école là.
premier inspecteur pour l'école, son parent tout. Et c'est ça que politique nationale accréditation, dans toute étape, il est impliqué en pile acteur pour garantir que l'école là fonctionne. Jean Laroy dit, avec participation, inclusion, monde qui doit la donne, et dans respect, ça qui permet à l'école fonctionner avec garantie en l'école. Il y a la cour l'école, il y a de l'eau, il y a l'environnement sanitaire, il y a des gens qui forment la donne, c'est pour bâtiment seulement, mais la fonctionner côté relation, enseignement, apprentissage, garantie. Le présent document dénoncé politique nationale est le fruit d'un travail concerté et synergique qui a mobilisé les compétences des énergies, l'abnégation et la dévotion à l'ouvrage de plus d'un. Émanation de consultants rompus dans le domaine, il a été l'objet de commentaires avisés de la majorité des acteurs, tant publics que privés, impliqués et ou concernés par le processus d'accréditation. C'est donc une œuvre commune à laquelle tout un chacun a apporté sa modeste contribution. À ce titre, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais de la direction d'appui à l'enseignement privé et du partenariat DAEP, direction technique porteuse du dossier, exprime ses remerciements à l'endroit de M. Roller Saint-Pierre, consultant, à toutes les structures techniques du bureau central qui ont partagé leurs commentaires, principalement la CASAS, la DSS, le BUGEP, la DERS, la DFP, l'UEP, le BEX, l'USI et la DPCE, contribuant à la bonification du dit document. À la coordination générale des directions d'appui, CCADA, à l'unité de coordination des directions, notamment aux coordonnateurs des SAEP, qui ont participé aux ateliers et fourni au quotidien des recommandations produites au regard de la réalité et des spécificités de leur département, aux partenaires de la commission d'éducation du cadre de liaison inter-ONG, CECLIO, notamment Inter-Aide, aux partenariats techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale, à l'inspection générale du MEF, à la direction générale de l'Office national de partenariat en éducation, ONAP, qui nous a fait part de remarques pertinentes pour l'amélioration du travail. À l'Institut national de la formation professionnelle INFP, dont la politique nous a grandement inspiré, à la direction générale du MEF et au cabinet du ministre pour leur soutien et leur support indéfectible. Cette note salue aussi la contribution très significative des cadres techniciens et techniciennes de la DAEP. En l'occurrence, M. Wallex Pierre, l'actuel directeur, M. Kendi Nicolas, qui était assistant directeur, mais maintenant directeur de l'enseignement fondamental, Pierre Cadichon, Adcadillon, Africo, chef du service d'accréditation, Gontran Pierre, Valencia Pierre, Androclès Edouard, David Julien, Rita Agbo Fortuné, Wismid Hervé Zamor, Wilkins Lucien Daniel Pierrot. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de M. Madsen Mondésir,
assistant technique chargé du suivi de l'équipe technique d'accréditation dans le cadre du projet PEES, pour son apport significatif au niveau de la correction du dit document de politique. Enfin, à tous ceux et à toutes celles qui se reconnaissent dans la conception, l'élaboration, la correction, la validation et la diffusion du présent énoncé, un des piliers de la gouvernance du système éducatif haïtien, nous disons un grand merci. Premier dossier, on a dit que dans l'ambassade Washington, gagné un perte de 4 millions de dollars US. Ça veut dire que yo t'as censé voyer comme pour faire passeport. Tout consulat yo, c'est Washington que yo fait passeport. Eh bien, gagné passeport qui t'a de faire pour 4 millions de dollars US, yo pas jeune comme ça. Comme ça, il sorti dans le consulat en Europe. En Turquie, il y a même des étudiants qui ont écrit aux anciens députés pour que vous ayez dit que 15 000 euros qui ont transféré à Paris pour que Paris voie Washington pour que vous fassiez passeport. Et comme ça, vous avez dit, est-ce que comme l'arrivée Washington disparaît dans l'ambassade là, est-ce que c'est dans la route l'irrité? Nous avons fait une enquête sur la question et nous pensons très bientôt nous voir le résultat. Mais ça privé, nous avons fait le gouvernement Pinga parce que nous avons dit que le gouvernement pour essayer de remplacer comme ça. Il va essayer de remplacer 4 millions de dollars qui sont perdus. Le gouvernement n'a pas remplacé. Est-ce que c'est peut-être ça que le gouvernement a monté gaz là pour prendre comme population pour cacher la corruption? Je dis à nous quoi que. Le gouvernement a dû publier un rapport entre l'ambassade Washington et l'autre ambassade et le consulat côté comme ça disparaît. Mais je dis à l'a pas de droit. À aucun moment, dit que il va le remplacer. S'il le remplace, c'est que le gouvernement est en volaire. Donc, dans ce sens, ça, nous avons attiré l'attention parce que nous voulons cacher feuille et couvrir ça. Qui voulait faire au niveau du dossier ça. Pendant la période de Noël, là, c'est qu'en coup, en occasion, pour que, eh bien, encore une fois, le passé peuple à notre tête. Nous attirons l'attention et nous disons un rapport qui va le sortir sur la question ça. Et comme ça, il faut jouer qui est, qui consul, qui ambassadeur, qui autorité, qui prend comme ça, parce que 4 millions de dollars US, c'est un gros cob lié pour Haïti pendant que le gouvernement n'a pas qu'à payer employé qui dans l'ambassade, qui dans le consulat. Il n'y a pas qu'à payer et puis vol a fait comme ça dans l'ambassade Washington ou bien dans le consulat qui va faire comme il arrive. Ça, c'est le premier dossier que nous avons soulevé. Deuxième dossier, c'est par rapport à gouvernement. Nous avons été engagés dans un contrat dont nous avons une copie et que nous avons des journalistes. Un contrat de crédit carbone pour mettre un mécanisme financier pour que Haïti ait un projet à l'ordre de crédit carbone. Contre ça, nous sommes obligés d'écrire au Premier ministre pour nous dire que dans le contrat ça, nous avons trois grandes erreurs majeures. Parce que je vais dire, c'est comme ça la question Petro-Caribé. Petro-Caribé arrivé, il a signé un accord, le gouvernement a dépensé quoi, et c'est après nous avons perdu 4 milliards 200 millions de dollars. Depuis le SAA, nous avons pris un engagement pour que le dossier apparaît, nous garder, pour que au maximum, pas de bagages qui produisent encore. Nous avons pris un engagement dans des malogues. Nous avons aussi un contrat, nous avons dit des malogues de la corruption. Et nous avons, je dis à directeur général l'ONI, directeur administratif, je mets mandat derrière. Et dans l'ONI, ce n'est pas seulement des malogues là, non. En pile perte de matériel. En pile, question de véhicules que vous volez, parce que le président d'alors, Jovenel Moïse, a protégé le directeur pour question des malogues là, et c'est un gagote en dedans.
Donc malgré nous t'ai averti, l'État pas attendé et nous est son gagot. Dans Sofida et tout, nous t'ai obligé grand pas averti pour que 100 millions de dollars pas débloqué. Et je dis à la question crédit carbone non, nous avons un mécanisme financier que vous mettez pour rassembler comme sur nord Haïti pour que vous montez des projets de développement et nous dit que l'on va qu'on ça fait. Premièrement, le ministère qui signe, ce n'est pas le ministère qui a cette responsabilité d'après justement le protocole d'accord sur la question environnement. Le ministère qui doit signer sur la question, ça, c'est le ministère environnement. Là, nous, c'est le ministère de planification. Ça, c'est un. Deuxièmement, pas de aucun accord à caractère financier qui ne doit pas aval la Cour des comptes. Là, nous, c'est le ministre-là simplement qui prend engagement avec FIM là. La troisième chose, pour qu'ils aient ces films ça. Hein? Pour qu'ils aient ces films ça. S'ils ont un mécanisme financier. Hein? Pour qu'ils aient que par bien on appelle d'offres, pour qu'ils aient choisi le meilleur là. Pour qu'ils aient obligé de choisir un film directement pour eux. Hein? Ce n'est pas l'administration, ce n'est pas l'administration privée. C'est l'administration publique. Donc moi, écrit, Premier ministre, là, pour me dire que le gouvernement engage le pays à non bail de crédit carbone. Qui a mené jusqu'à des milliards de dollars, moi avec Thibaudin. Parce que nous ne pouvons pas suivre Bayou. Et puis après 10 ans, nous dit, mais comme qui perdit dans le crédit carbone, même j'ai appelé tout Caribé. Donc, moi écrit, et ma tante Premier ministre. Nous allons toute fin de décembre et d'ici 1er semaine janvier, il faut le répondre non. Il faut le répondre non pour que justement vous remettez l'ordre dans la question. Ça. Et si vous ne remettez l'ordre, n'a saisi instance que de droit. Parce que je vous dis, question ça, Haïti n'a pas perdu comme, même j'en ai perdu dans Petro-Caribé, dans Dermalog, dans Sofidaï, dans Paradoël et même dans Cabrit. Les EA, moi pense que dans le pays, c'est vrai, il y a des gens qui font route, mais il y a des gens qui étaient à veiller pour la population. Et nous choisissons nous-mêmes pour être dans la ligne que nous dit la population pour que pas de corruption dans l'État. Pour que vous ayez sécurité, pour que vous ayez engagé pour ça. Là, dans deux dossiers, que ce soit 4 millions de dollars dans Washington, que ce soit crédit carbone dans l'Ouest, c'est dans la route, bien corruption que nous avons. Et nous avons le Premier ministre là pour que l'ICA, eh bien, dis-nous ce qui est passé dans la question ça, puisque le gouvernement là est engagé. Et à la fin, nous avons distribué l'accord ça qui s'y est. Et je ne suis pas journaliste, tu es au courant de l'accord ça. Parce que moi, je ne suis pas au courant. C'est dans la recherche que nous connaissons un contrat qui est signé sous crédit carbone. Et normalement, le CEP signé est public. Donc, nous avons une copie de lettre là et de l'accord là. Maintenant, comme nous toujours fait point de presse sous question sécuritaire là, nous avons réservé dernier parti ça pour nous parler de questions sécurité. Nous remarquons au niveau de sécurité dans la zone nord-ouest et Antibonite que nous avons dit qu'il y a un gang qui a fait kidnapping. Nous remarquons que nous mettons une patrouille fixe dans la zone. Mais patrouille fixe là, il est de 8h à 4h, c'est un bon pas. Mais quand on allait, la zone n'a gagné. Donc nous demandons à ce que la police mette justement, on va trouver fixe 24 sur 24. En attendant que vous avez en base ou bien en sous-commissariat. Mais ça, nous remarquons dans votre presse, nous remarquons que l'insécurité a vie normale. Les gens qui kidnappent le monde, ou bien sous route là, sous route Matissan, chaque entreprise qui a passé, qu'on est obligé de rester pour faire payer, ou bien pour payer chaque semaine pour passer. Ça veut dire que l'État vient d'accord. À question insécurité. Insécurité a une question normale. Le kidnapping au monde, c'est que tout le monde dit c'est normal, mais bien comment négocier. C'est comme si la vie normale. Nous ne parlons pas de vie normale du tout. Mais sécurité est une chose anormale. Et dans ce sens, aucune période, aucune saison ne va faire oublier pour que nous exiger de l'État ça, protéger la population. Protéger malheureux qui ont passé sur route là, qui pourraient travailler. Protéger les gens qui ont mené Timounio et bien déplacer pour aller au docteur. Protéger les gens qui ont voyagé dans le pays qui vont aller soit vers le sud ou vers le nord. C'est le rôle de l'État ça.
nous pas arriver nos questions, c'est comme si c'était normal. Pendant ce temps, regardé, nous voyons que l'État ça a. Nous te dit premier temps qu'il n'y a pas de bon, premier blindé, il n'y a pas de bon. Ça, je venais d'acheter. Il a acheté l'autre. Eh bien, nous, ouais, au lieu c'est des véhicules de combat, j'aime demander, c'est des véhicules anti-émeute qui ont encore problème. C'est comme si on a dit, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement, il est d'accord avec la sécurité? Parce que malgré le conseil, malgré le dit qui ça pour acheter, encore, c'est des véhicules anti-émeute qui eux-mêmes, des moteurs va protéger, et dès que vous tirez, les moteurs ont des problèmes. Donc moi, je crois que je dis à Nabdi, c'est inacceptable. Les actions qui pour entreprendre, et actions que nous déjà présenté au plan de sécurité, il y a l'autre action que la police fait effort, par exemple, entre Nord-Ouest et la Tibonite Nabdil, l'autre effort qui fait Nabdil, mais pour le moment, de notre côté, la question grave, c'est que l'insécurité est venue comme un fait normal, alors que l'insécurité est un fait anormal. Et dans ce sens-là, nous disons, qu'il y a des mesures spécifiques qui devront non seulement au mois de décembre pour protéger eh bien, toute activité qui a fait, ces activités il y en a, et également protéger les déplacements à travers les villes de province. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne, mais toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.